aussi redire le rôle majeur que le Sénégal joue et a joué dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous avons plusieurs projets qui sont en bonne avancée en matière de transport urbain. Je pense au train express régional de Dakar qui vient d'être lancé et à l'engagement personnel du président que je remercie sur ce sujet. Tout à l'heure, notre échange a permis de voir le coup de fouet que vous allez personnellement donner à cette coopération dans le domaine que vous venez d'évoquer. Je voudrais rappeler pour m'en réjouir le projet de haute technologie du train express régional qui est un train électrique qui va révolutionner le système de transport au Sénégal. En Afrique de l'Ouest, nous sommes pleinement engagés au Mali et dans le Sahel. Et avec vous, nous verrons effectivement comment accompagner la région, la CEDEAO, le G5, tous les pays pour que l'Afrique ne soit pas le ventre mou dans la lutte contre le terrorisme. Parce que si nous laissons l'Afrique comme ventre mou, il est évident que tous les efforts qui sont faits aujourd'hui vers la Syrie seront vains, puisqu'il y aura encore, comme des vases communicants, un déploiement vers l'Afrique, vers la Libye et vers le Sahel. Donc, la sécurité du Sahel, c'est aussi la sécurité de l'Europe.